Yo les amis, j'espère que vous allez bien sur Aurélien Fontenoy. Aujourd'hui c'est la vidéo que vous attendez tous, tous les riders ils l'attendent, c'est mon nouveau vélo, je l'ai reçu et j'ai reçu plein de cartons. Aujourd'hui c'était mon Noël, clairement j'ai reçu 4 colis énormes des nouveaux sponsors. On commence par le premier. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, c'était encore dans un carton, c'est l'atelier, le premier de chez Wallcraft, un établi vraiment stylé, et là c'est que le premier, puisque normalement il va avoir un atelier qui va faire tout l'angle, donc ça va s'agrandir, ça va être un truc de fou, et regardez, ils m'ont mis bien Wallcraft, deux cartons en plus, avec du matos à gogo, des tournevis, des sangles, des disques pour meuler, des sangles en poids, des disques, des outils, des mèches pour percer, au pied, ceinture bouclée, casque en place. Des mèches, des lunettes pour bricoler, du papier de verre, des ciseaux. Voilà, oh là, il y en a de partout. Du papier de verre, des cutters. Regarde, c'est quoi, regarde. Ça, c'est que le premier carton. Regarde dans le deuxième. Et allez hop. On est pas mal là. Là, entre ça, l'établi, il va avoir un porte-outil, il va avoir des étagères. Encore le grand établi, je vous dis qu'il fait 1m60. Il y en a pour 3000 euros. Wallcraft. Allez voir, c'est dispo dans tous les magasins de bricolage, ils en vendent de partout. Et honnêtement, super simple, en 2 heures je l'avais monté. Bon, bien sûr, il ne sera pas fourni avec ça. Petit teaser, je vous montre pas, là aussi il y a encore pas mal de matos. Je remballe ça et peut-être qu'on commence par le vélo ou le matos, qu'est-ce qu'on fait? D'abord matos? Ouais, d'abord le matos. Ouais. Ok, on garde le vélo pour tout à l'heure. Et comme ça, ça fera un lien, on verra pourquoi j'ai choisi ce matos-là. Ça, je remballe. Deuxième colis, qu'est-ce que j'ai reçu? Du coup c'est les produits de la marque Hop. Je pense que tous ceux qui font du vélo ils connaissent. Là on est sur du produit haut de gamme, ça vient de Grande-Bretagne. C'est des freins, des potences, c'est tous des produits usinés, anodisés à la couleur que vous souhaitez. Donc là vous allez voir. Et là, il y a ça. Juste un petit kiff ASMR. Le bruit du ride, ça tous les riders ça kiffe ce bruit. Du coup ils m'ont envoyé deux paires de roues. La première Fortus 26, ça c'est une roue pour l'enduro, moyeu gris. Donc à savoir qu'à chaque fois on peut personnaliser la couleur et vous verrez pourquoi il est gris. Donc moyeu gris, jante noire. Donc ça pareil, la même pour l'avant. Et la deuxième, super stylée, le moyeu en rouge comme ça, Fortus 35. Donc ça c'est une jante qui est beaucoup plus large, si on compare, regardez, jante d'enduro ici, jante enduro électrique. Vous savez pourquoi? Parce que je vais avoir un vélo électrique bientôt, un VTT enduro électrique. Voilà, je viens de teaser mon deuxième vélo. Oh my god! Wow! Et regardez, pareil, le kiff. Là sera avec le moyeu rouge, et pareil, l'avant, bien rouge, bien stylé. Ça c'est du beau matos. Alors, dans les cartons, viens voir. Là, on passe aux choses sérieuses. Ça y est, c'est officiel. Hop, me sponsorise. Ça faisait des années que j'avais envie. Et c'est officiel. Donc là, j'ai reçu pas mal de matos. Il y a tout d'abord les freins. Donc là, on est pour le vélo électrique que je vais avoir plus tard. Levier étrier rouge, magnifique. Ça, c'est l'avant. On a l'arrière ici, le même. Une paire de freins rouges. Ça, c'est fait en V4. Hop, V4, 4 pistons. Un autre frein, celui-là, je l'ai personnalisé. Là, on est sur du gris. Et j'ai mis des petites pièces métallisées, genre le capot. Les petites vis ici bleues, ça ira, je vais les garder parce qu'on va montrer le VTT enduro tout à l'heure et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce montage là. J'ai donc le même pour l'arrière. J'attends à chaque fois vos commentaires, hein, savoir vous si vous aviez le choix, la composition, la couleur que vous choisiriez. En tout cas on a le choix, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ferai un petit cadeau. Ça c'est pour mon trial, le trial zone, ils ont développé un frein spécial pour le street trial, le trial. Un disque spécial qui a été renforcé aussi pour le trial, un peu plus épais, un peu plus de branches pour que ça torde pas, bien costaud. Ça c'est pour mon trial, je crois qu'il y a encore des freins ici, il y a trop... Ah non. Non, 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 non. Attends, ça je le garde. Ça, chut. Alors, est-ce que je le montre? Bon allez, vas-y, je le montre, c'est parti. On est sur les manivelles. Manivelles forgées, hop, magnifique. Donc là, on est encore sur du gris, juste trop beau. Donc ça, nice. Une partie de la manivelle. Donc là, tu ouvres à chaque fois. C'est livré dans des petits coffrets comme ça, magnifique, avec la mousse. Donc là, hop, pédalier de pièces de chez Hop. Trop, trop beau. Donc là, pareil, j'ai choisi du gris avec juste le petit capot bleu ici. Donc ça, c'est des manivelles, pareil. Ça c'est juste du liquide que vous pouvez acheter pour purger vos freins. Regardez-moi cet usinage comme il est magnifique. Du coup là on est sur la potence grise qui va servir pour le VTT enduro. Magnifique. Et j'ai la même en rouge. Vous préférez laquelle vous? La rouge ou la grise? Ah, elle est magnifique en rouge aussi, hein. Franchement ça déchire. Là jusque là je me la mets bien. Et là maintenant on est sur les pédales. Du gris,
du bleu, encore du bleu. Donc là, j'ai deux paires de bleus. Du rouge, et là, encore du rouge. Et là, donc, c'est livré comme ça. Et en fait, après, il y a une boîte de picots. Les picots sont interchangeables. Tu le vis avec une petite BTR, là, dans chaque trou. Tu les racles, tu les casses, tu peux les changer. Au moins, ça, c'est cool. Et donc là, c'est officiel. Je vais lancer sur Instagram. Ils m'en ont envoyé plusieurs paires. Il y a une raison, c'est que sur Instagram, je vais lancer un jeu concours. Vous allez pouvoir gagner une de ces paires. Donc c'est très simple, la grise, la bleue ou la rouge pour votre VTT. À vous de choisir. Donc vous allez sur Instagram et il y aura un jeu concours qui va se lancer pour gagner une de ces paires de pédales. EasyCare, une autre marque qui me sponsorise, qui a envoyé ce sol là, donc avec un damier gris clair, gris foncé. Un peu de bleu ici va avec le fond du décor et le nouveau vélo. Je les remercie. EasyCare, ils font plein de trucs pour les garages, les salles de sport, les petits ateliers comme ici. Donc vraiment, je les remercie aussi. À chaque fois, tous les sponsors que je parle, ça sera tout dans la description si vous voulez des infos. Là, j'ai un gros carton. Alors là, c'est un collier de sel. Ici, c'est le boîtier de pédalier, juste les roulements. Un petit stock de disques pour trial. Disque ventilé, intérieur bleu, classe ça. J'ai le même en noir. Voilà, les ventilés, je les trouve magnifiques, anodisés comme ça. Là, on a des adaptateurs qui servent si vous voulez changer le diamètre de vos disques. En fait, là, par exemple, si je suis sur un 180, grâce à ça, je vais passer avec un disque de 200. Il suffit d'ajouter une petite pièce comme ça. Vous pouvez augmenter la taille de votre disque. Plus le disque est gros, normalement, plus vous aurez de force. Là, on a des petits spacers bleus, bouchons de guidon. Ouais, vous pouvez customiser, c'est pareil, vous pouvez changer la couleur. Je vais l'utiliser pour l'enduro, hein, le bleu. Encore un adaptateur, petit plateau 32. Là, c'est la pièce la plus belle. Regardez déjà juste la boîte, elle est magnifique. Normalement, le cintre carbone de chez Hop. Cintre carbone, magnifique. Franchement, il fait rêver. Ça, je l'avais déjà roulé puisque j'avais roulé sur le VTT Enduro Hop. Il me l'avait prêté et il était vraiment parfait. Et du coup, j'en ai deux. Je suppose qu'il y a le même. Juste après, on va aller voir le nouveau VTT Enduro. Yes, le même. Deux guidons carbone. Bien. Merci Hop. Franchement, le matos, il est fou. Donc là, il y en a pour cher. Je sais pas combien, mais il y en a pour cher. Donc vraiment, merci Hop. Et bah voilà. Du coup, il reste quoi? Allez, le vélo, je vous le montre. Yes. Voilà, nouveau vélo. Du coup, c'est officiel. Je suis pilote GT cette année. Je vais rouler sur les vélos enduro, les vélos électriques. Là, ils m'ont envoyé le Force Pro. Donc, bien sûr, comme son nom l'indique, cadran carbone. Je vais devoir monter les pièces Hop et le mettre sur ce vélo-là. Actuellement, j'ai juste changé les pneus Michelin. Normalement, il est monté avec du Schwalbe, je crois. C'est un 27,5 au niveau des diamètres de roues. 160 mm avec la Fox 36 à l'avant. 150 à l'arrière au niveau du débattement. On est monté donc là de base, je vous explique. Après, je vais changer avec toutes les pièces Hop. Mais de base, on est monté avec une transmission SRAM Eagle. Les jantes Stan Snowtube. Après, c'est des composants de chez GT ici. Celle télescopique de chez KS. Celle télescopique, ceux qui connaissent pas, hop, c'est la magie. Allumage EAP. Juste la peinture, je la trouve magnifique. Elle est bleue pailletée, je la trouve mais juste trop belle. Moi, elle me fait rêver. Trop stylée. Et du coup là, la caractéristique que j'avais jamais vue sur les autres vélos, c'est le passage des gaines qui sont ici dans le tube. En fait, le tube a été creusé, on va dire, a été moulé pour que les tubes passent dedans. C'est pas un passage interne, c'est un passage externe avec juste quelques petites attaches ici pour le maintenir. Du coup, honnêtement, c'est assez pratique. C'est assez esthétique parce que ça se voit pas quand il est sur le côté. Ça, j'ai jamais essayé cet amortisseur Fox. En tout cas, elle a vraiment bien au niveau des réglages. On peut quasiment tout régler. Monoplateau 1x12. Donc là, ça, la couronne, je vais la changer. Donc je vais mettre la bleue. L'idée, on cherchait, vu que Hop, ils font plusieurs couleurs. Ils font le bleu, le rouge, le violet, l'orange. J'en ai oublié une, je crois. Mais c'est vrai que quand on voit le vélo, c'était assez compliqué de s'embarquer dans des couleurs, genre du rouge ou quoi. Ça aurait pas été très beau. Du coup, donc on a eu l'idée de mettre plutôt du composant gris. Gris et bleu, on a voulu rester. Donc là, la potence, on va avoir comme ça. Après, il y avait donc la cassette ici. Pas exactement le même bleu, mais je pense que ça pourrait être bien sympa. Les manivelles qui vont être grises comme ça, là. En gros, ça va donner ça, quoi. Je pense que ça peut être bien sympa. On aura le frein ici, ça va ressortir comme ça. Un frein gris-bleu. Bleu qui ressemble d'ailleurs pas mal au bleu de la Fox. Donc je pense qu'on sera pas mal au niveau du raccord. Le collier de sel qui va être gris, je vais changer, qui va être gris comme ça. On sera de l'autre côté, mais en gros, je mets les disques ventilés bleus ici, là. Ça va être magnifique, comme ça, ça va faire. Le petit cintre ici, impeccable. On est à peu près sur la même géométrie. Et alors du coup, la question, c'était de savoir, est-ce que je vais y mettre les pédales bleues ou les pédales grises? Je sais pas encore. À vous de me dire. Marquez du coup dans les commentaires, est-ce que j'y installe les pédales grises ou les pédales bleues? Pas trop, je verrai. Bon, voilà.
En tout cas, c'était la présentation de tout ce matos. Merci à Wolfcraft, à Hop, à EasyCare pour les sols et à GT. Ça y est, la nouvelle aventure 2020 commence maintenant. On va pouvoir attaquer les vidéos enduro. Donc j'espère que cette vidéo très simple, mais en tout cas, moi c'était genre mon Noël. C'était le kiff. Donc pensez à vous abonner, liker cette vidéo et puis on se retrouve sur Instagram pour le jeu concours. Allez, ciao les gars.